Je reçois maintenant Charlotte Gainsbourg pour la sortie en salle de La Bûche, le film de Daniel Thompson. Bonsoir Charlotte. Bonsoir. Alors La Bûche de Daniel Thompson, donc avec Sabine Azéma, Emmanuel Béard, Françoise Fabian, Claude Rich, Christopher Thompson et Françoise Brion. Et Daroussin aussi. Et Daroussin aussi, voilà. Françoise Brion que j'ai reconnue malgré toutes ces années. Alors l'histoire c'est quoi? C'est une histoire de famille, quelques jours avant Noël, avec où on rentre dans l'univers de chaque sœur, en fait. Il y a trois sœurs, et les parents, évidemment. Et c'est une ambiance un peu... ouais, c'est chaque histoire personnelle, c'est les... Mais c'est trois sœurs très différentes, c'est-à-dire que vous êtes un peu la... Vous réussissez très bien dans l'informatique. Vous êtes plutôt la révoltée, faites de la moto, enfin, vous êtes libre, comme au sens un peu cliché du terme. Emmanuelle Béard, elle, c'est la bourgeoise. Hein. Ouais, l'opposé. Voilà. Ouais. Et puis Azéma, elle, c'est l'artiste, un peu là. Hein, c'est ça. Ouais. Et Françoise Fabian, c'est donc la mère des trois filles. Ouais. Elle a été mariée avant avec Claude Rich. Mm-hmm. Voilà. Et puis il y a son mari actuel, son mari du moment, qui meurt au début du film. Ouais. Et le film commence, on peut la raconter, la scène, il ne faut pas raconter la fin, on peut raconter la scène du début. C'est génial. C'est l'enterrement du mari de Françoise Fabian, donc le beau-père des trois filles. Puis ils sont tous au cimetière. Et puis il y a un portable qui sonne, puis tout le monde fait comme ça. Et puis en fait, c'est le portable du mort. C'est un très beau film, je trouve vraiment très touchant, avec des dialogues formidables, avec des vrais mots, ouais. Des vrais mots d'auteur, des très bons comédiens, un peu une ambiance un peu à la Claude Sauté, un peu qu'on retrouve d'ailleurs dans le film de Benoît Jacquot, Pas de scandale. C'est-à-dire en ce moment, il y a en France comme ça un cinéma un peu classique qui revient, non? Vous trouvez ouais, pas? Je ne sais pas si c'est un film classique, mais... Je sais pas, moi, j'en suis vraiment fière. C'est un film qui me touche, qui me fait rire beaucoup. Donc, non, je suis contente en plus de faire partie de... C'est la première fois que je fais un film avec autant d'acteurs et où on partage vraiment tous le film. C'est un film avec une âme. Ouais. Hein? Ouais. Et la fin, alors surtout pas raconter, mais la fin est très, très étonnante. Comment ça s'est passé? Parce que c'était quand même si elle a longtemps été scénariste de son père, de Gérard Houry, c'était quand même le premier film de Daniel Thompson. Sur le plateau, ça allait, elle n'était pas trop... J'ai pas eu l'impression qu'elle faisait son premier film, en fait. Enfin, oui, elle était très à l'aise et elle savait exactement ce qu'elle voulait. Donc, non, moi, je me sentais très en confiance avec elle. Avec les autres acteurs, parce que c'est vrai que c'était... C'était vraiment... Bah, j'ai eu une expérience géniale avec... Ils sont très bien dirigés, ils sont au mieux de leur forme. Ouais. Alors, ça fait penser au Noël quand on était petit. Vous vous souvenez de vos Noëls? Parce que moi, j'ai lu que vous preniez le train pour aller à Londres, voir vos grands-parents maternels dans des couchettes communicantes. Alors, c'était vraiment la nuit magique, parce que vous preniez le bateau. On prenait le train de nuit et... C'était un moment... j'ai des souvenirs vraiment magiques de Londres, sous la neige. Enfin, pour les enfants, c'est des beaux souvenirs. Alors, vous vouliez absolument que dans le compartiment, on laisse la veilleuse allumée, parce que vous dites le noir me terrifiait, je croyais devenir aveugle. Ah bon, j'ai dit ça, mais c'est vrai, oui. Vous dites souvent, d'ailleurs, vous êtes angoissée de naissance, ça va mieux, ça? Ouais, beaucoup mieux. Beaucoup mieux? Vous avez l'air. Sauf sur un plateau, mais... Non, mais détendez-vous, on est très bien. C'est dû à votre... Vous pensez que cette angoisse qui vous accompagnait un peu longtemps, comme ça, vous pensez que c'est dû à une enfance un peu brinque-ballée, je dirais, votre mère qui faisait dans des boîtes. Moi, j'ai fait pareil avec mes enfants, hein, c'est pas un reproche, mais à l'âge de 2 ans, vous retrouviez dans une boîte de nuit, vous dormiez sur la banquette. Est-ce que vous croyez que ça a participé à votre angoisse? Pas du tout. Non, au contraire, c'est ce qu'il y avait de mieux. Et puis, mais il n'y avait pas que ça, il y avait une éducation... pas rigide, mais presque. Oui, puis il y avait une bonne solidarité, ce que Serge appelait la bande des quatre, quoi. Je veux dire, il y avait quand même un côté... Mais c'est pas ça qui vous a... Enfin, je veux dire... Non, j'ai une sœur, ma petite sœur, qui a eu le même genre d'éducation et, a priori, qui n'a aucune angoisse. Ouais, enfin... Oui, je la connais. Non, on n'a pas le même tempérament, donc non, ça ne fait pas partie de l'éducation, je crois pas. Et votre horloge biologique, elle va mieux? Parce qu'à un moment, vous disiez que vous vouliez rester éveillé 48 heures, et puis derrière 48 heures sans... Ah, j'ai vieilli. Je le sens maintenant, j'ai vieilli, donc je tiens moins le coup. Oui. Vous étiez colérique quand vous étiez petite, jusqu'à l'âge de 12 ans. Maintenant, ça s'est calmé, ça. Vous êtes colérique. Je prends de vos nouvelles, hein. Ouais. Non, ça va mieux. Alors,
C'est très marrant la façon dont vous êtes rentré dans le cinéma, parce qu'en 84, un jour, votre mère, Jane Birkin, vous laisse un mot sur la table, en disant, sur la table de la cuisine, en disant « Ali Chouraqui cherche une ado de ton âge, vas-y pour voir ouais. ». Et vous y êtes allé, ça s'est passé comment ce casting? Je ne sais pas, je serais curieuse de voir en fait les images, mais je pense qu'il les a perdues. J'ai le souvenir d'avoir été très traqueuse et je ne sais pas si j'ai pu sortir un mot, mais il m'a choisi, je ne sais pas. Enfin, je ne sais pas, il a dû se passer quelque chose quand même. Il savait qui vous étiez ou non? Oui. Oui, il savait. Oui, oui, oui je crois. Oui. J'espère qu'il ne m'a pas pris que pour ça. Bah non, l'avenir a prouvé le contraire, en tous les cas. Et alors, en 84, c'est donc dans la même époque, vous demandez à partir en pension en Suisse. Pourquoi vous aviez un manque d'autorité à la maison? Vous aviez envie d'une vie plus structurée? C'est possible, c'est possible. J'ai pas vraiment analysé, mais... Ouais, ça faisait partie aussi des fantasmes, parce que ma mère a fait de la pension quand elle était petite, ma belle-mère aussi, enfin, un genre de pension, donc... Ça me tentait, ma sœur aussi. L'expérience. Ouais. Et alors, c'était une bonne expérience? Très bonne, parce qu'en fait, l'expérience des autres, elle était plutôt très négative, ils avaient tous détesté. Bah oui, et puis en général, les gens qui demandent d'aller en pension, il y en a peu, il y a que vous. Alors bon, en 85, quand il y a eu Lemon in 16, vous n'étiez pas là, vous étiez, vous dites, soi-disant scandale, pas vécu, parce que vous étiez en pension. Ouais, je suis passée à côté. Vous êtes passée à côté de cette histoire. Et quand même, c'est vrai qu'avec l'inceste, il y a eu... Après, vous avez fait ce film avec votre oncle, ouais, Andrew Birkin. Le Jardin de Simon. Ouais. Et là, dans le film, pour en venir à la bûche, dans le film, finalement, on ne va pas raconter l'histoire, mais enfin, il y a quand même quelque chose qui pourrait peut-être y ressembler, d'une certaine façon. Oui, c'est vrai. Oui, enfin, elle est consommée, l'inceste, dans le Jardin de Simon. Oui. Là, il y a une ambiguïté. Une ambiguïté, pas, oui. On n'est pas sûr. On va pas raconter, mais il y a une... Il y a une ambiguïté. Ouais. Ça fait trois fois. Alors en 85, vous faites l'Effronté, donc César en 86, pour un film, vous aviez tourné à 14 ans, ce qui est absolument extraordinaire. Et alors dans les résultats, quand on disait Charlotte, il y avait Charlotte Valandré qui devait avoir... Et vous attendez Charlotte. Oui, c'est vrai, j'avais peur de ça. Vous nous avez fait passer un grand moment ce jour-là. Ah vraiment, je veux dire, on avait tous les larmes aux yeux quand on... Je vous le dis parce qu'on... C'est atroce, moi j'ai revu, j'ai revu des images de ça, je... Mais c'est des images exceptionnelles. Quand on voit Serge, il dit, mais c'est ma petite fille, c'est vraiment... Tout le monde pleurait devant la télé ce soir-là. Alors après, vous avez fait La Petite Voleuse, enfin, je cite quelques films, parce que c'est vrai qu'il y en a eu beaucoup. Les yeux, aux yeux du monde, vous avez rencontré Sylvain Attal. Yvan Attal. Et Merci la vie, donc, qui a été votre film avec Blié, où vous étiez... C'est extraordinaire. Je ne sais pas, mais c'était un beau film. Non, mais c'était un très beau film. Vous avez fait du théâtre. Ouais. Là, il a dû falloir vous surmonter, enfin, vous dépassez terriblement, parce que c'était un peu quand même... Là, ça va mieux, mais vous étiez quand même un peu timide, un peu... Ouais, c'était autre chose. J'avais très peur d'avoir un trac qui me paralyserait, et au contraire, c'était pas... Non, j'ai découvert un travail nouveau et génial avec Maurice Benichoux, le fait de travailler pendant 2 mois, comme ça, sur un... C'est-à-dire qu'en fait, quand vous arriviez avant au cinéma, comme vous avez un certain don... Vous jouiez assez naturellement, et là, pour la première fois, vous avez travaillé, vous avez répété... Oui, c'est la première fois que je comprenais ce qu'était une préparation, en fait. Et ce qui, après, m'a permis de préparer les rôles sur d'autres films différemment. Oui, c'était une bonne école. Oui. Oui, parce que vous avez essayé à un moment de prendre des cours, mais vous êtes dégonflé. J'ai pas essayé, je me suis dégonflée, Vous n'êtes même pas allé. Non. Donc ça, c'était Oléana de David Mamet sur scène. Après Grosse Fatigue, Jane Eyre, et puis en 97, vous avez eu donc un enfant. Est-ce que vous êtes devenue adulte en ayant un enfant? Oh non, ça m'a rajeuni, je trouve. Ah bon? Ah ouais. Parce que moi, ça m'a rendu dans ma adulte. Tête. Vous, ça vous a rajeuni? Ouais. Je me sens adulte, hein, mais je... J'ai pas la sensation d'avoir pris un coup de vieux, au contraire. Mmh. Alors, la décision de devenir comédienne... Un jour, vous êtes sur un plateau, vous ne saviez pas vraiment que vous vouliez devenir comédienne. Jane Birkin vous amenait partout avec elle. Et vous regardez Laure Marsac, c'est le tournage de La Pirate de Doyon, donc, votre beau-père. Jane vous dit que vous avez porté sur Laure Marsac un regard un peu de jalousie. Oui, c'est ce qu'elle dit. Je veux bien la croire, c'est très possible. Mais à mon avis, c'était pas réellement... J'avais pas un désir d'être comédienne et c'était plus... C'était plus d'avoir envie que l'attention soit sur moi, je crois. Vous voulez qu'on vous aime, quoi. Ouais. Bon, on vous aime. Alors, Miller a dit en parlant de vous, Claude Miller, avec qui vous avez fait parmi vos meilleurs films, a dit en parlant de vous que vous êtes une actrice née comme Mozart était un musicien né. Ouais. Vous pensez ça? Bah non.
Non, non, pas du tout. Est-ce qu'à l'époque où vous avez joué vos premiers films, vous les faisiez assez naturellement, d'une façon un peu inconsciente, sans réfléchir? Oui, il y avait beaucoup d'inconscience. Et puis je faisais ça surtout pour faire plaisir, en fait. C'était pas... J'avais pas du tout la notion de travail. Ça s'est venu après. Ouais. Maintenant, vous prenez ça au sérieux. Ouais, j'essaie de pas trop me prendre au sérieux. Oui, vous prenez le boulot mais au sérieux. Je prends le boulot au sérieux. Vous prenez pas du tout au sérieux, je vous rassure. Mais vous disiez toujours à l'époque, je suis pas une vraie actrice. C'est pourquoi? Parce que vous aviez peur qu'on vous propose plus de rôles et comme ça, au moins, vous, ouais, vous en sortiez bien ou... Ouais, je crois que j'avais peur du jugement. Ouais, je me cachais derrière un truc où je pouvais me permettre de dire, si jamais ça fonctionnait pas, que c'était pas vraiment mon truc. Ouais, d'accord, c'était une façon de se protéger. Alors vous dites, je suis rarement fier de ce que je fais, j'ai toujours quelque chose à me reprocher, angoissé de naissance, on l'a vu tout à l'heure. En même temps, je suis fier de mon nom et j'ai envie d'être à la hauteur. Ça va mieux maintenant, vous avez pris quand même un peu d'assurance, non? Non, pas assez. Enfin, pas suffisamment pour me sentir... à l'aise comme j'aimerais l'être, en tout cas, sur un plateau. Hein. Ça me demande beaucoup de travail de m'approprier, pas les gens, mais de me sentir à l'aise. C'est un peu un remède pour vous, parce que c'est vrai que vous dites ça fait du bien d'être quelqu'un d'autre. J'ai toujours éprouvé un certain malaise à être moi-même. Donc, quand on joue, en général, c'est pour s'oublier. Oui, et c'est là-dedans que je prends du plaisir. Ouais. C'est une bonne thérapie. Oui. Dernière chose, votre père disait que vous étiez une orchidée déguisée en ortie. Ça vous fait quoi? Enfin, je veux dire, en dehors du fait que ce soit lui qui l'ait dit, bien sûr, mais vous trouvez que c'est un compliment? Oui, c'est un compliment. Venant de lui, c'est un compliment. Je ne sais pas s'il est valable pour moi, mais c'est un compliment. Ouais. Merci beaucoup, merci d'être venu, Charlotte, je suis très content. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditude, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.